Yo tout le monde, c'est S4, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, je m'en excuse. Ça fait plus de 3 mois que je vous ai pas sorti de vidéo. C'était pour une bonne raison. Après 2 ans à filmer avec mon téléphone, le PC est à la maison. Ça sera une vidéo, je juge vos setups. Vous avez été plus d'une dizaine à m'envoyer vos setups sur mon Discord. Bien sûr, mon Discord en description. N'hésitez pas à le rejoindre. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à tous les nouveaux à vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Et à liker cette vidéo si c'est pas déjà fait. Et bien sûr, à lâcher votre petit commentaire pour me dire votre avis pour le premier setup. C'est parti. Alors, le premier setup, c'est le setup de Ralix. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber, moi qui a repris YouTube il y a pas longtemps. Il y aura peut-être des concepts avec lui, je vous en dis pas plus. On est là pour juger les setups. Donc on a la chaise qu'on voit juste ici, le petit casque. Ok, donc c'est un setup PS4. On voit la PS4 qui est juste ici, les deux manettes. On a un clavier, une souris, un écran. Donc là on a de plus près. Donc l'écran, la petite bouteille pour s'hydrater, très important. Donc en vrai, c'est un setup PS4. Avec un setup PS4 vous pouvez être youtubeur et streamer. Il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Mais pour moi, je mettrais pour ce premier setup un 6 sur 10. C'est parti. Deuxième setup. On voit un gros PC avec une webcam. Donc j'imagine que c'est un streamer, un youtubeur. Alors là, on voit le boîtier. Le boîtier qui est incroyable. On peut se le dire. Au début, j'ai hésité à prendre ce boîtier-là. Mais j'en ai pris un autre. Mais au début, je voulais partir sur ce boîtier-là. Faire pour s'hydrater une calculatrice. Ok. Des petites lunettes. Donc, on a le grand tapis de souris. Donc, moi, j'ai un tapis de souris pareil que lui. Donc, c'est un grand tapis de souris qui fait toute ma table. Son écran. Il manquerait peut-être des enceintes. Pour ce setup, en vrai, je mettrais un 6,5 sur 10. Ça peut me faire. Troisième setup. On a un grand clavier qui fait pratiquement toute la table. On voit pas la souris, mais je vois qu'il y a un double écran, une petite webcam qu'on voit juste ici, deux manettes juste ici, le casque. Pour ce setup, en vrai, je mettrais un 5 sur 10. La souris, je l'ai pas vue. Le PC, je l'ai pas vu. 5 sur 10, je mettrais maximum pour ce PC. Un setup PS4, donc on peut voir là. Pas de clavier ni de souris, assez basique. Malheureusement, je pourrais pas donner une bonne note pour ce setup parce que vous comme moi, on se sait que c'est pas vraiment un setup. Je peux pas noter genre juste une télé, une PS4 et des figurines. Mais il y a un thème. Il y a un thème, il y a des figurines, il y a un thème qui est respecté. Je mettrai un 4,5 sur 10. Je suis vraiment assez dure. Cinquième setup, ah oui, il est assez flou. Donc on peut pratiquement rien voir. Mais on voit quand même qu'il y a un clavier et un PC portable. Pour ce setup, en vrai, je peux mettre un 4,5 sur 10, encore une fois, parce que c'est un setup, ok, mais c'est un début de setup. Un setup qui peut évoluer. Ensuite, on a le setup de Réan. Pour ceux qui ne connaissent pas Réan, c'est quelqu'un qui me suit depuis plus de 2 ans, qui est là depuis le début de ma chaîne et qui m'a jamais lâché. Donc, je le remercie pour ça. Donc on peut voir qu'il y a un gros PC. On voit que tout ça c'est de la même marque. Le clavier, la souris. Je sais pas si la table fait un tapis de souris, mais je vois pas de tapis de souris. La petite horloge qui est là. L'écran qui est fixé. Je vois pas de trépied. Ok. Là, vous voyez, il y a un thème bleu. Il y a un thème qui est respecté. Donc pour ça, je donne un 8 sur 10. C'est la meilleure note pour l'instant de cette vidéo. Mais pour l'instant, là, ce setup, je mets un 8 sur 10. Il y a un thème qui est respecté. Réan, c'est pas quelqu'un qui fait des vidéos pour PC. Donc, il n'a pas besoin d'acheter d'enceinte, de caméra, de lampe pro, etc. Donc, je mets un 8 sur 10 parce que ce thème est respecté. Il y a un thème bleu, le thème est respecté. Donc, c'est parfait. Donc, le prochain setup, on voit direct que c'est un youtubeur. On a déjà le double écran, on a le gros PC, on a le micro,
l'enceinte, le clavier et la souris, un petit tapis de souris, c'est dommage. Il y a un thème, en vrai, il y a un thème ensemble, il y a un thème multicolore ici, il y a un thème multicolore ici. Il y a un thème, je mettrai un 7 sur 10. Ça joue sur l'esthétique aussi. Si votre setup, il n'est pas esthétique, il y a un problème. Je juge surtout sur l'esthétique. Donc, pour moi, ce PC, il y a de l'esthétique, il y a des accords de couleurs. C'est pour ça que je mets un 7 sur 10. Un setup dans une armoire. Donc, on a le clavier, un clavier classique, on le connaît tous. Et chacun ses moyens, chacun ses moyens. Mais quand t'as un gros PC comme ça, excuse-moi, mais tu peux pas avoir ça, quoi. On est personne pour juger, je suis personne pour juger, mais là, je suis obligée, c'est une vidéo, je juge vos setups. Donc, dans le juge vos setups, il y a le mot jugement. Donc, on a le tapis de souris qui est vertical. Ok, j'avais jamais vu ça avant. Une petite manette, le casque qui est juste là, la petite tasse, l'écran et le gros PC. Le PC est vachement beau. Il y a un thème rouge qui est là et il y a un thème bleu qui est là. Donc, bon, il y a un thème qui est pas trop respecté non plus, puisque les accords de couleurs, elles vont pas ensemble. Mais si on regarde que la partie du haut, il y a un thème. C'est incroyable que tout setup est rentré dans un placard. Pour ça, je mets un 5 sur 10. On a un setup de streamer et youtubeur. On voit la cam pour la handcam sur la manette. Le clavier souris, clavier mécanique, j'ai reconnu. Le double écran, donc oui, c'est clairement un streamer parce que quand t'as un écran comme ça, c'est pour lire le chat. Le gros PC et le micro, c'est plutôt beau, c'est plutôt stylé. Je mets un 7,5 sur 10, un gros 7,5 sur 10, parce que franchement, le PC est incroyable. On peut rien dire sur ça. Donc, le prochain setup, c'est une télé normale. Donc, on voit que c'est sur Switch. Écoutez, avant d'avoir ce PC, j'ai été 4 ans sur Switch. 4 ans. On voit la manette Switch, la manette Pro. C'est pas un setup. On peut pas dire que c'est un setup. Je vais mettre un 3-4 sur 10 parce que c'est pas trop un setup. On a le setup de Preda. Pour ceux qui connaissent pas Preda, c'est un streamer sur Twitch qui fait de la classée pour monter Unreal avec Nextaz. Je lui ai demandé si je pouvais prendre son setup. Il m'a dit que c'était directement sur son TikTok. Donc merci à lui d'avoir eu l'autorisation de passer ça sur ma chaîne. Donc on a le double écran pour voir le chat. On voit la PS5, il stream sur PS5. Donc je sais. On a toutes les manettes. Ok, la souris, le clavier, la table qui fait tapis de souris en même temps. C'est ultra stylé. Et le gros PC. Franchement, écoutez-moi bien. 9 sur 10. Pourquoi ? Parce que le thème est entièrement validé. Le thème, c'est violet. On voit le violet qui ressort partout. Surtout sur les fonds d'écran, c'est un peu bleu, mais c'est plutôt violet. Je suis pas daltonienne, vous inquiétez pas. Le cap management qui est à soigner, mais il y a un thème, 9 sur 10. C'est pas parce que c'est un streamer qui joue avec des gens connus que je dis ça. C'est juste parce que c'est un thème, il est entièrement validé. C'était la fin de cette vidéo. Elle a duré assez longtemps pour moi, je sais pas ce que ça va rendre au montage. Ça fait plaisir d'être revenu. Je vous garantis pas que je vais vous sortir des vidéos toutes les semaines parce que c'est du travail et moi j'ai beaucoup de travail à côté. Mais j'essaierai de vous sortir le plus de vidéos avec des youtubeurs ou toute seule même. En tout cas, c'était S4. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. C'était S4. Ciao.